Moi, j'estime que cette question est très large, donc je vais préférer parler de... En une minute. Je vais préférer parler de moi. Quels sont ceux que je... Ce que je juge comme atout, c'est mes atouts d'abord. C'est à deux niveaux. Au niveau de ma préparation. Parce que avant de faire quelque chose, je suis quelqu'un. Ok. Désolé d'arracher un peu la parole. Je veux rééclaircir un aspect qui a été évoqué par madame Latisha. Sur le plan économique, je voudrais lever cet équivoque véritablement. Ceux qui veulent gagner de l'argent dans la danse, ceux qui comptent sur les compétitions pour gagner de l'argent dans la danse, n'espérez jamais gagner de l'argent de manière pérenne dans la danse. Les compétitions ont deux objectifs principaux: développer ses capacités personnelles et se faire connaître du public. Il y a d'autres types, d'autres voies qui permettent de faire gagner de l'argent, les prestations de services, par exemple. L'autre de moi là-bas, ce sera de voter celle qui vous a cherché la merde. Vous allez voter pour votre candidat. C'est bon? Voilà. Bonjour, chers camarades. Je me nomme Élève Mbala pour l'Université d'Amiens, de la seconde C Collège Bilingue de Merci. Je me présente comme étant une des candidates pour le poste de délégué de la coopérative Kouba. En effet, si vous me votez comme étant le délégué de la coopérative Kouba, il y aura beaucoup de changements au Kouba. L'injustice sera bannie. Un établissement établissement fort. J'ai parlé aujourd'hui d'adoption. Tout le monde connaît ce que l'adoption veut dire. Lorsque vous écoutez un nouveau mot, vous cherchez la signification dans le dictionnaire. C'est comme ça qu'on enrichit son vocabulaire. Vous votez ici pour la première candidate. On lève les mains, je compte. Ok, ça veut dire que voici le président de la coopérative. Le BNC Talk, qui est beaucoup plus un média digital. Nous avons mis sur pied une école de danse avec des formations en
graffiti, en DJing, en musique et en danse, BNC School. Nous avons mis sur pied une plateforme de réflexion, de projection et de mise en valeur du savoir-faire des différents acteurs qui gravitent autour des danses urbaines, le BNC Forum. Et chaque année, depuis 2014, nous célébrons aussi les danses urbaines via un gros festival qu'on appelle Battle National Cameroun. Et donc, bien sûr, autour de ce grand chantier, nous avons nourri l'ambition de pouvoir permettre à ce que la société puisse mieux comprendre ce que nous faisons, que nous puissions identifier tous les acteurs qui gravitent autour des danses urbaines, nous puissions rendre accessible la pratique des danses urbaines au Cameroun, nous puissions créer un marché de biens et de services ou générer une économie autour des cultures urbaines, mais le plus important, former les cadres pour investir les sphères de décision. Ces cinq missions intègrent dans la vision d'une nouvelle institution qu'on appelle la FENASU, née en 2019, qui ambitionne structurer et professionnaliser les acteurs autour des arts et sports urbains qui partagent trois types de valeurs, la passion, la discipline et l'investissement. Oui, la méthode PDI est celle qui est aujourd'hui. C'est la méthode PDI que nous présentons aujourd'hui au travers de cette sixième édition au Forum des danses urbaines ici au Musée national au travers de six activités. Une première activité liée ayant possible les jeunes établissements scolaires. Nous avons travaillé avec le collège bilingue Le Berceau des Anges, avec les classes de 6e, 5e, 4e et 2e, pour doter à ces jeunes quatre types de compétences. Une compétence en dessin, une compétence en art oratoire, une compétence en danse traditionnelle et une compétence en danse urbaine. Et nous sommes très très satisfaits du retour que nous avons, non seulement pour ces enfants qui sont en fait le cœur aussi de notre développement, de nos actions, mais mieux encore, leur faire participer à ce type d'échange permet aussi d'atteindre toutes les missions entre autres que j'ai eu à définir tout à l'heure. Ces ateliers sont faits le mardi et le mercredi de 10h à 11h30 et directement nous avons une deuxième activité qui est donc en fait le cœur du forum, les réflexions via des conférences débats qui sont déroulées le mardi, mercredi, jeudi sous le grand thème entre autres la FENASU, un laboratoire pour la structuration et la professionnalisation des danses urbaines. Lequel thème a été entre autres divisé en trois axes. Un premier axe mardi où nous avons vu des acteurs qui présentaient leur trajectoire et vie en tant que danseur, en tant que modèle de développement de leur danse via ce qu'ils font tous les jours. Juste après, nous avons présenté aussi l'ingénierie de formation que la FENASU propose pour développer les acteurs. Et enfin, le troisième jour, en termes de conférence débat, on a mis en exergue la place de la musique avec la danse aujourd'hui dans toute la culture hip-hop. Comme troisième activité, nous avons des compétitions de danse qui se déroulent de mardi à samedi, en nombre de 5, qui participent aussi à des éliminatoires pour la Coupe nationale des danses urbaines qui se déroulera du 10 au 12 mai au Centre culturel camerounais. Et ce sont des compétitions qui sont totalement variées et distinctes, notamment le popping, le crump, le hip-hop freestyle, aujourd'hui c'est le breaking, demain c'est l'afro. Et nous avons alors une quatrième activité qui est une activité de spectacle de danse. Ce sont des spectacles de danse qui intègrent un vaste programme de structuration des management des compagnies de danse et c'est la phase de diffusion de leur spectacle qui se déroulera de vendredi à samedi. Ils sont nombreux de 5. Nous avons la compagnie Expression Mentale, la compagnie Fleur de Lotus, la compagnie La Cabane de la Danse, la compagnie Afuma et la compagnie. Les 5 compagnies et donc ils vont se produire de 17h, entre 17h et 19h. Et nous avons aussi l'activité 5 qui est en fait des expositions où nous faisons en sorte que les promoteurs viennent entre autres présenter leur savoir et leur savoir-faire, même leur savoir-faire. Et la dernière activité, et pas des moindres, c'est la partie concert hip-hop qui se déroulera le samedi de 20h à X1 à The Vibes, notamment à Titi Garage, face au Fekanamoudou. Oh, okay.
Dernier passage. La concentration. Oui, oui. Oui, oui, oui. Photo, photo, photo. Oui, photo. Ah, 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 ah. Se prépare parce que c'est directement tout à l'heure. Oui. Julie, on va faire un décompte ensemble à partir de 5. Hein, ok, on est ensemble. Ok, on est ensemble. On est ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ok, photo. Photo. C'est lui. Troisième et dernier passage, Bimbo et Zaza. Qui sera le champion? À la 1, à la 2, à la 3.